Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 12 du Let's Play de Pixark en compagnie de Kaya. Et coucou! Coucou! Alors aujourd'hui, on va s'occuper de planter déjà les graines de l'épisode précédent. Les graines d'or. On va choper de l'or. J'ai une viande pourrie, je la stocke, on sait jamais. On va voir si ça marche. Alors pour le coup, je vais les prendre, normalement elles sont ici. On a tout posé ici en fait, dans l'armoire ici. C'est plus simple. Il faudrait peut-être essayer pour voir si on peut mettre de l'engrais par terre, on sait jamais. Je pense que ça peut marcher, mais de l'engrais pour quoi faire? L'engrais sert pour les plantes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah ouais, mais... Le problème c'est que ça c'est dans Arc, visiblement ici elle pousse sans engrais. Allez, j'ai essayé de planter ça déjà pour commencer. J'ai trouvé un engrais dans le coffre, je vois. Il veut pas le planter, le truc d'or. Alors, on va essayer de planter avec des... Attends, c'est moi ou le sol est vachement humide? Ou c'est la lumière... Qu'est-ce qu'il y a en haut, j'ai un doute. Le sol doit être humide. Je suis pas sûr. Moi. Parce que c'est quand même... On dirait que c'est de l'ombre. Un growing, surtout ce growing, quoi. Mais il n'y a pas de... Je te sors un truc, quoi. Je vais essayer de changer le sol en sable. D'accord. Un peu comme Jésus avec l'eau en vin. Ah, c'est une blague, oh. C'est un peu pourri d'aller transformer le sol en sable. Hein, c'est pas grave. On va essayer. Ouais, je mets du fertilisant par terre. Et ça marche ou quoi là? Ouais. Ça fait quoi? Ça m'enlève le fertilisant qu'on te met. T'as quel con, il tombe dans le trou quoi. Le truc que je fais quoi, vas-y passe. Ben regarde. Non mais moi j'essaie de foutre mon... Voilà. Oui, fertilisant on est d'accord, mais j'essaie juste d'abord le coup de l'acide là. On peut pas. Donc c'est pas le bon sol qu'on a. Bien, on va le mettre de côté, je vais remettre ma terre. Ou peut-être ça plante pas peut-être. Ça tourne pas. Ça Ça se plante pas tu vois. Ouais, c'est une seed. Après, oui, c'est possible que ça ne plante pas. Hein. On aura essayé. Hein. Et donc, tu m'as dit le fertiliseur qui est au 3 quarts. Pourquoi les 3 quarts? Ouais, parce que j'ai utilisé. Ah, je peux essayer? Ouais, vas-y. Tu spams ta touche. Comme si tu utilisais la pioche, tu vois. Alors, attends. Je spam ma touche. Ouais, moi, c'est le numéro 3, ma touche. Et je spam ma touche comme ça, tu vois. Je comprends rien. Tu vises quoi? Par terre. N'importe où. N'importe où. Par exemple, ici. Sous le sol. Il se passe rien. Hein. Et spam là? Bah, je viens de spammer, mais j'ai pas cliqué sur ma touche hein, de clic. Alors, je pense qu'il faut l'appliquer déjà sur les. Ah oui, sur ça. Sur la plante, je pense. Enfin, faut que tu mettes dans ta barre. Ah effectivement, ça diminue. Ah, un petit peu. Alors je pense qu'en fait ça sert à nourrir les plantes qui sont pas à fond. Parce que là tu vois ça bloque. En fait faut... D'accord, ok. Alors je vais user un sac entier. Parce que là il fait que je nourrisse toutes les plantes là qui étaient pas à fond, je pense. Mais à part ça... Donc, en fait t'as juste à se mettre... Ah ouais, à te mettre dessus et spammer. Voilà, j'ai vidé un sac là, ça y est. Donc tu pourrais en prendre un deuxième et arroser partout. Mais le problème c'est que... Mature stage, tu vois, c'est... Est-ce que ça va vraiment les aider, quoi? Ben, si c'est fait pour ça, oui. C'est bizarre quand même comme truc, hein. Bon. Je veux pas savoir, on a d'autres sacs, on fera le test. Ah, tu l'as fait voir sur le lapin, tu l'as dit. Moi j'ai plus de lapin, du coup. Toi t'es pas mort, je sais pas comment. Enfin, t'as eu de la chance en même temps, hein. Moi il me courait après et toi que dalle. Hein. Sans blague. Bon, alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on aurait pu tester d'aller prendre le pétrole que Kaya a trouvé qu'on n'a pas vu. Par contre, il faut être niveau 52, c'est ça pour la pompe. Et 55 pour la pompe. 55, t'es 50 toi, donc c'est mort. Oui. Voilà, donc... Oui, c'est mort. 55, bah du coup il nous manque 5 niveaux. Donc ce qu'on va faire en attendant, c'est tenter de trouver des Dung Beetles. Oui. Et de les endormir, et il faut de la merde pour ça, c'est ça? Ouais, j'en ai plein sur moi du caca, parce que nous, il arrête pas de faire caca partout. J'ai un sac vide là. Ils sont sales. J'ai un sac vide, comment c'est possible qu'il soit vide? Parce que c'est le sac des langues. Je vais l'en mettre dans le truc là, d'accord? Je pense que ça sert à rien, mais je le fais quand même. Encore que, alors attends, je prends le caca du coup qui est dedans.
Si t'en as plein, déjà, c'est parfait. Et on va essayer de les tame. C'est qui cool. Ça me va, ça? Ça me va. T'es où? Ce que je te propose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les pteras, peut-être. Ouais, ok. Voilà, moi, j'évite bien ce que j'ai sur moi pour être sûr de rien avoir. Parce que, pour le coup... Si on a quelque chose, oui, ça, le sable, c'est pas trop un problème. Par contre, ouais. Les cides sont visiblement assez rares. J'ai un terrain, il n'y a pas de sel, attends. T'as un terrain qui n'a pas de sel. On avait 3 pteras, normalement. Ouais, mais il y en a 2 qui sont morts. On va les choper un à l'un. J'en ai marre des pteras qui crèvent là pour rien, là. Ah, c'est les terras, hein. C'est vrai qu'il a pas de sel, lui aussi. Donc, refais une sel. Ok. Toute façon, on a que 2 pteras, là. Oui. Ah oui, parce que le dernier on l'a perdu aussi, c'est vrai. Bah oui. On l'a perdu l'autre con là. Sans blague quoi. Bon. Moi pendant ce temps je vais tester d'en trouver, hein, tu veux bien? Oui, bien sûr. Tiens, il a pris des points. Je mets quoi, stamina ça? Ouais, stamina parce qu'il y en a besoin. Stamina pour lui. Et on va essayer de trouver des dunk beetles. Alors je sais pas où. Mais je pense qu'il y en a dans le biome là, sable. Ouais, dans le biome sable il y en a. Là c'est en train de popper là je pense. Alors j'ai des scorpions, ça nous intéresse pas. Pas pour le moment, non. J'ai des... comment ça s'appelle, là, les oiseaux à la con, hein. Terror Bird. Ça nous intéresse pas non plus. Là, on a des algues. C'est marrant, j'ai des petits rollbacks très bizarres. Non. Un scorpion, ouais, je vais me barrer. Là, il y a un truc en bois. Non, c'est pas du bois, c'est du sable. Ah, j'ai trouvé un. Ah, on dirait. Alors, j'essaie de me poser. Je regarde s'il n'y a pas des saloperies qui m'attaquent ou pas. Et on va essayer de l'endormir, hein, du coup, hein. Ouais, faut l'endormir et puis lui mettre du coca à l'intérieur. Alors, tu es parti de quel côté? Il fuit. Je suis parti côté sable. Ok. C'était pas beaucoup, mais là j'ai mis un coup. Tu l'as mis un coup? Mais bon, ouais. Alors. Voilà. Alors, je sais pas s'il dort ou pas. C'est pas qui dort. Hein. Il bouge plus, alors je pense qu'il est endormi. Hein. J'estime qu'il est endormi. Il est pas endormi. Si, inconscious. Put food. Ah, alors, okay. On va essayer de le fouder. Par contre, il y a des terror birds pas loin, hein. Je risque de crever. Donc je vais le dépêcher. Ouais, mais c'est bizarre que je te vois pas. Il y a un terrain quoi? Putain, sans blague, non, vas-y, non. Qu'est-ce que ça fait? Bah, le terrain est mort par un scorpion. J'ai foutu du caca à l'autre, hein. Oh putain! Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui m'attaque? What? Mais c'est quoi ça? Oh putain, un tic de je sais pas quoi là! Un tic de je sais pas quoi, moi j'ai crevé, voilà, c'est fini. Tu vas m'emmener avec le terrain, on va aller chercher tout le stuff. Ok. Il est endormi le dunk, hein, mais pour le coup, s'il se fait attaquer par le loup là, je sais pas ce que c'est, un loup, un léopard, je sais pas ce que c'est. Sans déconner, c'est super dangereux dans le coin quand même, hein. Je sais pas si on est en difficile ou pas, mais on a quand même un putain de problème. Hein. Et j'ai bien cru que je suis nul, hein. Mais vous avez vu, hein, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais, emmène-moi vite fait, voilà. Alors, je te dicte, hein. Je vais te dire où. Alors, c'est à... Je vais cliquer, mettre troisième personne. Continue à avancer, vas-y, vas-y, tout droit. Hein. Tout droit, là, t'es très proche, en fait. Bah, c'est là, c'est bon. Tout droit, vas-y. Tout droit, nickel. C'est parfait. Voilà. Je suis là, devant. Il y a un Terror Bird, c'est normal. Mon corps est là, hein, voilà. Juste en bas. Voilà. Alors, pourquoi le Terror Bird? On va essayer de le... Free kill! Vache, la vache, la vache, la vache! Lui, est-ce qu'il se time? Il se time pas, ton dumb beetle, hein. Le caca ne marche pas, hein. Je vais essayer de t'aider, quand même. Minimum. Balle, balle. Oui, j'ai plus de... J'ai pas ramassé mon stuff. Il marche pas, le time. Hein. Voilà. Je t'aide, hein, du coup. Hein. Voilà. Pas le temps. Ok. Ça marche pas. Le Ptera, il est comment? Et ça va ou quoi ta vie? Parce que le Ptera a pris cher. Ah oui, mais n'oublie pas que c'est normal que ça marche pas le thème parce qu'il a pas encore faim le dumb beetle. Bah, tu veux que je fasse quoi? C'est comme dans Ark, tu vois, il faut attendre qu'il ait faim. Et ton Ptera il saigne aussi, hein, quand même, hein, je vérifie, mais. Sa vie est plutôt basse, mais ça va. Enfin, ça va plus, un peu plus basse. Bien, en plus on tombe de nuit, pas de chance. Je ramasse le fur, hein. Tu vois, là il stem, Gadu. Ok, il a pris combien d'un coup? Ok, ça va. On va peut-être réussir à l'avoir. Oui. Par contre, moi, je me demande si... j'ai mis, je sais pas combien de caca, hein, je sais pas s'il y a assez. J'en ai encore sur moi. Alors, visiblement, il faut 4 caca environ, il en a encore 5. Donc, je pense que là, on est bien, mais...
Mais n'empêche, ça fait mal, hein. Parce que notre Fiumia est mort, comme un con. Et là, le Ptéral, il est mort par là, parce que je l'avais posé là. Au pire, on va faire une grande session de table, hein, sinon. Non, 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 c'est pas terrible, ça. Non, tu vas, là. Moi, j'ai envie d'essayer de casser des bois et de ramasser du cactus. Pourquoi? Parce que le cactus, il a pourri dans le frigo. Ah, mince. Bah oui. Il faudrait ramasser aussi pas mal de petits trucs magiques aussi. Pour faire tout ce qui est magie. C'est eux qu'il faut faire, c'est pas... Voilà. Bon, j'ai obtenu du jus de cactus, ouais, je sais bien, ouais, bah ouais, mais le problème, c'est que t'as vu comment c'est dur? Ouais. On crève pour rien, là, sans blague. Ouais, là, c'est pas dit qu'il y a pas une saloperie qui m'arrive dans le dos encore, tu vois. C'est évident. C'est évident. Du touch, hein, ouais, du touch. Donc, j'en mets ce cactus, puisque je suis là, écoute. On le mettra au frigo. Parce que là, tu vois, j'ai des plantes qui sont là, mais c'est du touch aussi, ça. Magic Fiber, voilà. Je farme du bois magique, hein. Vas-y, moi, je vais prendre du cactus à côté, hein. Le bois magique, je suis pas sûr qu'il serve à quelque chose, hein, au passage. Ah, bah, il sert pour la magie. Le bois! Ouais, le bois, ouais. Ça sert à faire la vegan magique. Ah oui! Il avoue que j'aime pas la. Oh putain, l'araignée de la mer! Oh putain! Oh putain! J'arrive! Ah, je suis parti. Il est où? Est-ce que j'essaie de le buter? Il est où? Ah bah oui, il attaque! Ah merci! Bah je t'aide un petit coup là quand même. Je suis bien. Je regarde la vie de mon terrain, mais il est bien. Le terrain est bien. Hein. Et là, il tu est me tires dessus là. Ah, pardon. Il est parti où là? Il fuit ou quoi? Il est là. Elle est là, je veux dire. C'est un mâle, je crois. Non, c'est mal, mal d'accord. Ouais. Bon, il est parti de la flotte, c'est pas grave. Du moment nickel. Que tout le monde est en vie, c'est le principal. Le terrain est nickel, hein, niveau vie. Hein. Tiens, regarde. T'es là? Oui, je suis là. Regarde. Je reste, c'est rien parce que je me méfie. Hein. Ouais, t'inquiète. Magic Fiber, c'est pas un problème. Mega Wave Bark, je crois que je l'ai eu aussi ça. Ramasse, hein, vas-y. Ok. Ramasse. Parce qu'il y a des choses qu'on doit rentrer à pied, hein, au passage. Ouais, t'inquiète, c'est à côté. Hein. Le Dunk Beetle, il va falloir le ramener au passage. Hein. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc si on le ramène, il y en a un ou deux qui va courir. Je vais courir. C'est qu'on n'est pas très 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 loin, faut avouer. Ouais, on est à côté. Enfin, quand même, hein. Bon, le cactus, j'en ai combien là avec ça? 7 et 18. On va pas aller loin. Je sais pas quoi ça va servir. Je vais aller me balader un peu plus loin, Kaya. Reste là-bas. Je courrai si ça pue. Hein. Ok. D'accord, mort. Fais gaffe à toi. Ouais, je me méfie. Hein. Mais quand on entend le bruit, en général, c'est trop tard. Tu dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tourne la tête. Et hop. Oh putain, ce putain de scorpion là. Et ramasse ça là, au lieu de ramer là. Bon, je sais pas, il pédale le scorpion, hein, donc ça va. Oh, j'ai un centaure là, qui descend de la montagne à cheval là. Ah bah attends, faut se casser, pas un centaure. Mais c'est bon, il me voit pas. Il te voit pas, bah attends. C'est bon le truc, il y a un centaure qui descend de la montagne à cheval. Et... plus qu'un tame. C'est bon, il se barre, il est loin. Eh, peut-être qu'il est pas agressif. Non, moi aussi. Si. Moi aussi. Ah si, j'ai fait les tests et tout. Attends, y a un autre Dunk Beetle là. Ah oui, pour l'endormir. Alors pour l'endormir, c'est one shot quasiment, hein. J'ai fait le test. Alors, on va l'endormir si tu veux. C'est quasiment one shot, il court un peu mais après il fait les dodo. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi cette saloperie là? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous est tombé dessus? Mais comment c'est que t'arrêtes? Oh là, salaud! Dégage-le. Oh, j'ai crevé. Je vais crever. C'est bon, je m'en occupe. Ouais, je suis parti en oiseau, hein, c'est bon. Je suis dans les airs, là il pourra plus m'attaquer au moins. Il est derrière nous, hein. Le Dunk Beetle est réveillé au fait. Ah, super. Attends, j'ai le piqué, hein, derrière toi. Je l'ai eu ou pas? Est-ce que je l'ai eu? Non. Ah, attends. Punaise. Eh, on va se grailler. Heureusement que j'ai mon armure qui est là. Alors, est-ce que je l'ai eu cette fois? Non, pas encore. Eh, il va mourir. Il est bientôt mort. Aïe, il m'a bugué. Ah, merci. Je l'ai eu ou pas? Non, pas encore. Attends, je vais le tuer. Après tout, le Ptera il est assez fort, il fuit là. Là, je l'attaque. Ok. Il meurt ou quoi? Il bouge plus là. Hein. Il crève ou quoi? Je sais pas s'il crève. Ouais, s'il crève.
T'es sûr? Bah oui, scène. Vas-y, mon lui. Et bah voilà. Bon, alors, le Dunk Beetle est comment? Il est bien. Il faut que je le ramène à pied, mais il est bien. Pourquoi je faut que tu le ramènes à pied? Je sais pas, t'aider. Ah, mais essaye de le grappe, peut-être. Bah j'essaye, mais j'arrive pas, justement. Ok, bah non. Attends, non, je vais mettre bien, parce que j'avoue que j'ai un doute avec les oiseaux, là. Ok. Là, j'aurais dû l'avoir, là. Non, pas encore. Non. Je vais mettre bien. Voilà. Là. Voilà. Espace. Et clic droit. Là, je suis en plein dessus, on est bien d'accord. Ouais, mais tu peux pas. Et toi, comment tu fais pour ramener à pied? Bah, je vais le siffler. Attends, d'être là pour me protéger. Eh ben putain, on va se marier. Attends une seconde, je tape d'abord sur le cadavre de notre Kikou, là. Laser, mythe. Laser, on ramasse tout ça, hein. Oh, Primary Magic Core, 13. Quand même. Bon alors, ce que je vais faire. Je vais allumer ma torche, voilà. Et je te suis. Vas-y, faut qu'il te suive. Normalement, c'est assez rapide, donc là, pour le coup, on va essayer de le ramener. Peut-être qu'il y a un autre Dunk Beetle qu'on avait failli commencer à endormir, hein, au passage. Ah, ouais, au bord de mer, il est. Ouais, mais on l'aura plus, sûr. Hein. Bien, je vais devant toi, au cas où il y a quelque chose. C'est moi, on est vachement loin. Non, c'est moi qui vais tranquille. Alors, dans l'eau, là, il y a quoi? Il y a des plantes sous-marines. Tu peux ramasser le cactus, au passage, hein. Ouais, pas de problème. Bah parce que si tu passes devant, bien sûr, hein. Il y a un scorpion, est-ce que j'essaie de le taper avec le Terra? Où est-ce qu'il est passé? Essaye pour voir, mais... J'ai peur de m'endormir, en fait. Ah bah, essaye de pas mourir. Là, il y a un Terra Bird à côté, donc pour le coup... Alors les deux sont collés, hein, Kaya. Si tu me suis, ouais, va dans l'eau. Là, au moins, t'es tranquille. Ouais. Il y a un piranha. À gauche. Il y a peut-être des poissons, hein, par contre. Il y a des poissons, des piranhas. C'est bon, j'ai tué. Je vois si le Terror Bird arrive au passage, hein. Mais il est dans l'eau. Quel côté? À gauche. Ok. Je rajoute de la vie au Terra, hein, au passage. Et stamina. Putain, mais il y a pas combien de points le Terra là? Ok. Il y a un Terror Bird qui arrive à fond, hein, au passage, dans l'eau. Face à toi. Ah non, mais c'est pas possible. J'ai décidé de m'énerver là. J'essaie de le taper, hein. Je t'aide. Okay. Faut pas que le Dunk Beetle le crève, surtout, hein. Moi je suis aux trois quarts de ma vie, l'oiseau est aux trois quarts de sa vie, hein. Oh putain. What? Oh merde, j'ai plus le Ptera. Bah je suis mort, voilà, c'est fait. Non parce que le temps que je réagisse, que je me dise que j'ai plus le Ptera. Non. Bon. T'es mort aussi? Ah non, le Dunk Beetle est mort, bah voilà. Bon, mission quasiment impossible. À moins qu'on en chope un à côté de la base, tout simplement. Ouais. D'accord. Donc, je vais chercher mon stuff. Qui est à côté, et puis on rentre, et puis tant pis, hein, pour le Dunk Beetle, hein. Il y a un scorpion à côté de la base. C'est merveilleux, quoi. Ils ont tous décidé de venir nous embêter, hein. Ah, mais c'est abusé, c'est vraiment abusé. Alors, le Ptera est pas mort, heureusement, sauf que le Ptera est peut-être en passif. Non, il est dans les airs. Ok, nickel. Je ramasse. Alors, il y a quoi qui brille dans le sol, là? Bah, c'est le coq du Dunk Beetle qui est mort. Ah bah attends. Ah il y a deux caca dedans, ouais, super. On va ramasser ça quand même. Et on se barre, hein, du coup. Hein. Oula, pas attention, tombe pas dans le trou. Il y a une femelle centaure en bas. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est qui femelle centaure? Je savais même pas qu'il y avait des juments centaures. Ah oui, forcément. Des juments. Bon, bref, toujours est-il qu'on a rien. Donc on rentre à la maison. T'es en Terra, toi, hein, c'est bon, hein. Non, toi, t'es en Terra, toi. Putain, c'est pas possible. Moi, je suis parti à pied, moi. Il y a le Terra qui est tout seul derrière, tu sais. Qui attend. Alors, est-ce que je vais l'avoir, maintenant, le Terra, là? Parce que là, je vais pas l'avoir, hein. Qui attend, c'est Jonathan, toi. Je sais que t'allais faire la blague de merde. Alors, t'es... Follow. Voilà, il va me suivre. Et on va se barrer. Et je prends le cactus au passage. Voilà, viens le petit Terra là. Ouais, c'est bon, hop là, c'est bon, je t'ai eu. Bon, au moins le Terra sera pas mort. On aura tout perdu encore pendant l'épisode, comme d'hab. Y'a un Bronto qui piétine notre base. Mais tranquille, hein. Tranquille le Bronto, hein. Y'a trop de bestioles, franchement, dans le jeu. Ouais, y'a vraiment de partout là. Et là, du coup, y'a un œuf là. Tiens, deux triceratops. Que je vais mettre au frigo.
Je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté. Ah ouais, mais moi aussi, là, parce que Dumbital... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que on va dans la caverne à côté? Ouais, on peut aller dans la caverne à côté, si tu veux. Je repose le cactus. Parce qu'il y en a Il faut juste que je me refasse des flèches, parce que j'en ai plus. Alors attends, là on a trop encore de stuff, là. Yeah. Ouais, il va falloir que je sorte quelque chose. Bah ça, par exemple. Voilà, le cactus a totalement dispawn. Hein. Heureusement que j'en ai remis. Bon, ça, on s'en fout. Faudrait que je me penche un peu sur la cuisine aussi à faire. La cuisine. Bah ouais, la soupe de cactus, ça se mange, ça, non? Oui. Là, je regarde à quoi elle sert. Comment la faire. Alors, le feu de camp est totalement blindé. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à tout faire rentrer. Est-ce que j'allume ou pas? Bah, il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois dans le truc. Bon, c'est pas grave. On ira après le remplir hein, pour faire de la viande cuite. Moi, en attendant, j'ai posé tout dans l'armoire, s'il reste de la place, mais l'armoire est déjà presque pleine. Voilà, ça m'intéresse pas. N'oublie pas qu'on a encore deux armoires dans des coffres. Je sais. C'est bien. Il faudra qu'on s'en occupe aussi. Alors, puisque le. Tiens, l'imbécile il me suit là. Viens par là. C'est chiant que quand tu descends pas, bah ils arrêtent de te suivre. Ce serait bien ça. Tu te pousses, toc, ils s'arrêtent quoi. Et bah non, t'oublies, bah ils restent sur toi. Aïe aïe aïe. Alors, Disable Following, là on est tranquille. Voilà. J'espère qu'ils n'étaient pas en. Non, c'est bon. En balade, je disais. Je suis en remis, là vachement, là, j'ai une idée bien pris. Bref, on va aller voir une grotte un peu plus loin, si tu veux bien. Oui, bien sûr. J'ai une grotte par là-bas, là, qui était pas mal. Ah, attends. Je vais refaire des flèches, hein, parce que. Ouais, bon, reste 31 flèches. Je vais y aller d'abord sans toi, si tu veux bien. Ah, bah, attends, j'arrive. De toute façon, j'ai pas de stuff, j'ai un peu de flèches, c'est pas... et on va aller voir ça. Du coup, les graines, ouais, les graines d'or ne marchent pas aussi, ça m'embête ça, parce que pour le coup, ça sert à quoi d'avoir des graines s'ils ne poussent pas. Ce qui brille un peu partout, là, quand même. Trop de dodo, trop de lapins. T'es où, là? Bah, je suis parti dans la grotte. Alors, côté... je sais pas si tu me vois. Tu me vois peut-être pas. Quand tu sors de la maison, à gauche. D'accord, il y a une grotte juste à gauche là. Et ben c'est la grotte qui est dans le mur, côté biome Argentavis là. Ok. Putain, il y a des lutins partout, sans blague. Mais non, mais sans blague quoi. Ok, je vois ta torche là-bas. Tu vois? Ouais. Ici. T'es où? Ici, en face de toi. Je vois pas. Ah oui, c'est là, d'accord, je me disais. Je cherchais un oiseau, en fait, moi. Alors, il y a des petits lutins, là. Petits lutins. Moi, j'ai pas de lance, hein, donc... j'ai que des... Mais moi, j'ai tout. Alors, un petit arc. Et un deuxième, hein. Voilà. J'ai une tête. Du coup, il fuit. J'ai raté. Ceci dit, s'il fuit, moi, ça me va. Ouais, mais il faut les tuer, parce que tu risques de mourir, encore. Bah tant pis, en même temps j'ai pas de stuff, au pire c'est mes flèches là, je les perds. Tiens, il est là. Par là mon lapin. Enfin mon lutin, mon gobelin. Mon lapin. Bah il est bloqué contre un mur, donc ça peut être dur à tuer hein. Mais c'est un peu gros quand même les gobelins. Et ils sont plus. Je crois que je demande aux joueurs si ça peut. Si on peut teindre des gobelins quoi. Ouais mais ils sont quasiment inattaquables quoi surtout. J'en ai marre là, les visées là comme un fou là, on voit rien en plus là. Ah bon, j'en ai marre, c'est quoi franchement fuck. Non parce que eux ils nous tapent en trois fois, on est mort, eux on leur balance des flèches à l'arbalète, voilà, ils ont rien du tout quoi. Et est-ce que t'as essayé la pioche en métal? Oh putain il m'attaque. Je me casse. Alors pioche en métal, je les ai défoncés avec. Ouais bah là il va faire baiser encore là, du coup après. Pioche en métal t'as dit hein. Ouais. Viens par là. Voilà, maintenant que j'ai le temps de m'équiper. Viens par là, saloperie. Non, j'ai pété tout le mur là. Ah, il fait chier là. En fait, c'est pas une grotte ici au passage. Hein. Comme t'as pu le voir. J'ai ramassé le stuff qu'il avait sur lui, on sait jamais. Laser, ouais, comme d'hab. Voilà, mythe comme d'hab, ok.
Les plantes or, ça, il y en a plein. Ça me chie pour rien. Regardez-moi cette bataille, c'est épique. Je vais se taper parce qu'il est en train de creuser le mur. Voilà. Je l'ai tué, on l'a tué. Eh ben c'est super. C'était très intéressant. Je pense qu'on a raté le Dung Beetle, quoi. Il y a un coffre là. Ouais, il y a un coffre. Ah oui, parce que dans leur sac en fait, ils ont des sacs sur eux et t'as du loot dedans. Oh putain! J'ai obtenu du bois et des privilèges certificates. Chérie! Oh putain! Ah, mamma mia! Eh, d'habitude, il est pour moi celui-là! Oh putain, c'est quoi ce bruit? Oh, oh la vache! Vas-y, j'essaie de le taper et je prends cher, je vais mourir, je vais crever, voilà, je vais crever! Merci de t'avoir fait. C'est pas possible quoi! C'est pas possible! Comment t'as pu sortir? Ah bah parce que je t'ai tapé en fait, et tant qu'il te bouffe, je suis parti! Putain, c'est pas possible, j'en ai marre de crever dans ce jeu là! Je vais tenter de récupérer mon stuff, je dis bien tenter hein! Ah bah. Non, j'ai pas grand chose. Franchement, c'est pas grave. Hein. Mais pour le principe, quoi, vu que j'ai ramassé des certificates, c'est vachement important. C'est quoi ça? Y a une fée! Elemental Spirit! Un esprit élémentaire! Attends, j'allais le voir. Vas-y. Ok, t'as crevé. Hein. Alors, elle m'attaque pas. Hein. Elle est bleue. On dirait une poupée, tu sais, bleue. Je pense que c'est super important. Première fois que j'ai vu ça. Voilà, le Rex, il est avec le Ptera, je vais le crever dans quelques secondes. Ah non, tiens, pour une fois. Ah, j'ai réussi à foutre le camp avant. Bon, bah du coup, on n'aura pas... je suis dégoûté, quand même. On n'aura pas eu ce qu'on voulait, quoi. Non, du tout. Sauf si on va vite fait, si on trouve un Dung Beetle à côté de chez nous, peut-être. Sauf si on trouve un Dung Beetle à côté de chez nous, ce qu'on peut faire évidemment vite fait, ouais, pour voir. Ouais. T'es où? Je suis derrière la maison, je suis coincé dans les fourrés. J'arrive, c'est bon, je suis là. Oh, allez hop. Allez, j'arrive. Bah, je suis parti en fait dans le désert derrière, en me disant que peut-être il y en aurait. Vu qu'on est à côté d'un désert, je me dis que ça peut être intéressant, pour une fois. Alors, on a un drop au passage qui est bleu. Bon, on peut y aller, hein. Bah, je suis à côté. Ah, je crois qu'il est bleu, hein. Non, il est blanc en fait. Il était en over, tout ça. De toute façon, au pire. Ah, je peux... Oh, j'ai déjà commencé à crever. C'est parti, là. Je prends des dégâts, ouais, je vais mourir, là. Voilà, encore dans quelques secondes. Voilà, au quart de ma vie. Voilà, j'ai plus de jambes, et là, je vais mourir dans quelques instants. Et voilà, ça c'est fait. Comme d'hab. Sans blague, quoi. Comment on peut mourir au bout de 5 coups, quoi? Lui, on lui balance 50 000 coups, il crève pas, quoi. Bon, ça, je suis à côté de la maison, mais. Vous avez vu, hein, c'est chiant, quoi. Je sais bien, il y en a plein qui diraient défends-toi. Ben, je sais bien, mais je me défends, j'ai mes deux flèches. Lui, il va me grailler en deux secondes. Faut que je bande l'arc et tout, enfin, c'est pas la peine quoi. Faut trouver une mitraillette, c'est ça qu'il me faut. Un minigun. Une grosse tourelle. J'ai dit, oula, je prends des dégâts, tu te retournes, tagadagadak. Hop, fini, plus personne. Tranquille. Tagadak, un coin. Hop. Oh là, il y a des choses intéressantes dedans là. Oh là c'est quoi, là. C'est quoi? Ça, des balles, ouais, ok. Méditerranée, quoi, c'est Link Bullpit? Ouais, ça peut être bien ça. Et un mini train, ok. Hop, on prend tout, on se casse. Eh, tu viens de T-Rex? Ah bah, si t'as, ouais. Ah, tiens, là. Y'a pas le T-Rex dans le coin? Non, j'ai pas vu le T-Rex dans le coin. Et un œuf aussi bien posé, ça fait peur, hein. Alors, hop, je me casse. C'est bon, y'a personne qui vient. Ah non. Je crois qu'il a oublié son œuf. Tu sais quoi, y'a de l'argent là-bas là. Pourquoi on irait pas l'endormir, tu vois? Alors, peut-être qu'on va faire ça, mais à la prochaine vidéo, mon cher Kaya. Ok. Juste poser le stuff, hein, en évitant de crever avec tous les trous qu'il y a là. Comme ça, on est tranquille. On sait jamais qu'un œuf, ça sert pour des kibbles. Est-ce qu'on peut faire des kibbles? C'est une bonne question. Ouais, bah, qu'on regarde. Kibbles, je vous rappelle, qui sont des aliments, des espèces de friandises. Des croquettes, comme les chats. Ouais, des croquettes, ouais. Qui permettent, en fait, d'attirer les animaux beaucoup plus que le... Enfin, les attirer. Les tamer plus rapidement. Et c'est pour ça que ça pourrait m'intéresser. Je vais enlever ça, je vais ramasser absolument l'œuf pour pas le faire pourrir.
C'est dommage. Le reste, bah, je vais me démerder, je vais me mettre là. Voilà. Et je vais ranger tout ça, bien sûr. Comme ça, au moins, c'est nickel. Bien, bah écoutez, dans ce cas-là, on aura encore failé aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est une évidence avec moi, ça ne peut que failer. Cependant, on a quand même vu des choses, et notamment la fée. Il y a plein de balles, là, quand même. Ah oui. Alors, je crois que tout rentre pas dans le coffre. Hein. Vas-y, ça rentre encore, si c'est bon. Je mets tout le temps. Mais ton armoire, elle prend tellement cher. Mais un truc de fou, quoi. Ah bah tu verras, elle est remplie. Oh la vache. Et il suffit qu'il y ait un Rex qui passe, il pète l'armoire, on n'a plus rien. Ça c'est fait. On peut faire, en fait, on peut faire des pompes en métal aussi pour pomper l'eau. Des pompes en métal? Ouais. Ouais, comme dans Ark. Il y a en pierre et en métal, bah oui. Bon bref, on verra ça à la prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et on se dit tous à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.